Yo, bienvenue dans ce nouveau master vlog. On est dimanche, je suis rentrée de chez mes parents et comme le printemps arrive, j'ai une folle envie de ranger mon appart, obviously, et surtout d'enfin ranger un coin que tu as vu très souvent dans mes master vlogs et que tu as vu très souvent très mal rangé ou avec des piles de classeurs, des piles de feuilles, d'archives, de documents. C'est mon fameux bureau qui me sert de pose imprimante et de pose masque et de pose bordel de mémoire. Donc j'aimerais enfin réussir à le ranger et je pense que je vais le déplacer. Donc on va faire ça actuellement parce que en fait j'aimerais bien maintenant, enfin, arriver à travailler sur mon bureau qui est destiné à la base à travailler et non pas à poser des trucs. Mon imprimante, je vais essayer de la mettre sous le bureau, enfin, je vais essayer de trouver un truc pour la mettre ailleurs, pour libérer du coup la place. Pour que je puisse travailler parce que ça me saoule de travailler sur ma table à manger. Parce que, bah, en fait, quand je mange, j'ai mon écran qui est là sur la table et j'ai toutes mes notes de taf et j'ai mes trucs de taf et du coup enfin je marque pas vraiment de pause étant donné que bah je vis dans un studio même si pour Paris il est grand j'aimerais bien quand même arriver un peu à marquer mes endroits en fonction des tâches que je fais donc voilà. Sinon aussi comme le printemps est là je vais te les montrer mais j'ai deux nouvelles plantes qui ont rejoint la famille. J'en suis extrêmement heureuse. Je vais te les montrer, ça sera plus simple. Ici, nous avons un ficus. J'en suis très heureuse. Et là, on a un, je ne sais plus le nom scientifique, mais on appelle ça des oreilles d'éléphant aussi. Et voilà, c'est les deux petites nouvelles. Donc, je suis assez contente parce que mon coin là se transforme de plus en plus en jungle. Avec l'autre plante ici, j'en suis très satisfaite. Voilà, et j'étais allée les acheter à une vente, à une grande vente de plantes pour tous qui vendent des plantes à petit prix. Le seul truc, c'est que quand j'y suis allée, il y avait déjà beaucoup de choses qui étaient parties. Du coup, il restait que les plantes chères, entre guillemets. Donc je suis revenue avec ces deux-là, mais tu vois la serre qui est là-bas, mon projet c'est de trouver trois petites plantes. Donc tu verras ça, mais vendredi je vais sûrement y retourner, parce qu'il y a encore une grande vente pour aller acheter trois petites plantes pour remplir ma serre. Voilà le programme. Et sinon on va passer au rangement maintenant. Mais vas-y, fallait que je te parle un petit peu de mes plantes, parce que genre... J'ai pas d'animaux de compagnie, donc mes plantes, c'est mes enfants. Donc voilà. Bon, alors là, je vois pas comment c'est cadré, donc globalement, je sais pas si tu me... Normalement, là, tu me vois bien. Donc, l'objectif, c'est que ce bureau, il prenne la place de de ce canapé monoplace. Bref. Comme ça, là, mon bureau, il est tout du long, juste à côté de la bibliothèque, ce qui est pratique. Et le canapé, il sera là en mode chill, tranquille. Bref, du coup, j'ai pas mal de choses à faire. Il faudra un jour que je pense à ramener mes valises chez mes parents, parce que ça prend beaucoup de place. Et tout en dessous, il y a il y a tout ce que je vends en fait sur Vinted qui est très mal rangé. Donc j'ai commandé des boîtes de rangement pour ranger un peu tout ça, ranger le bordel en fait tout simplement qu'il y a sous mon bureau. Donc voilà, le projet c'est de déplacer un petit peu tout ça. So, let's go. Ok, nous avons un tout petit problème. C'est que moi je voulais mettre mon ordinateur sur ce côté-là et mon grand écran sur ce côté-là. Mais mon canapé, enfin avec le mini canapé, je ne peux pas mettre de chaise là où je devrais être assise. Donc je vais réfléchir. Oh, je suis bête!
conclusion de mon bordel que je n'ai... J'ai pas encore mis les trucs en dessous. Mais ma foi, le canapé gêne un peu moins. Je me mettrai au centre, c'est bon. Ça ira. Et voilà. Globalement, ça ressemble à ça. C'est super, c'est pas encore rangé machin. Peut-être que dans la suite de la semaine, tu verras tout ça rangé, tout ça évoluer. Mais pour l'instant, c'est déplacé. On va rester sur ça. Je vais peut-être un peu plus coller le canapé parce que ça dérange un peu mon entrée avec mon bazar ici même. Mais voilà, globalement, on est good. Tu vois une magnifique feuille parce que on est lundi et que je... En vrai, normalement, j'aurais dû le faire hier. Mais bon, je le fais un peu quand j'en ai envie parce que je vais me faire mon planning de la semaine. Je sais qu'il y en a qui m'avaient demandé sur Instagram de parler un petit peu plus de mon organisation. C'est pas forcément un modèle à suivre. Si ça te permet, je sais pas moi, de trouver des solutions pour ton organisation, tant mieux. Si tu fonctionnes pas comme ça, c'est pas dramatique du tout. C'est juste que moi, je fonctionne comme ça depuis plusieurs années maintenant et c'est ce qui a fonctionné pour moi. Donc du coup, là, globalement, je prends une feuille quelconque d'un carnet que j'arrache, bref. Et je vais venir tout simplement faire toute ma semaine et noter tout ce que j'ai à faire. Que ça soit au niveau vie sociale, que au niveau vie pro, enfin vie pro c'est plus vie étudiante, ou de l'administratif, ou des rendez-vous que j'ai, etc. etc. Si y a des choses qui sont cachées par des washi tape dans la vidéo, c'est que ce sont des choses privées que je ne partagerai pas tout simplement, et que tu n'as pas besoin de savoir. Donc voilà. Je vais faire ça et ça mène en fait à avoir une vision un peu plus claire de ma semaine et de voir quand est-ce que, bah, par exemple, là aujourd'hui je vais à la BNF, mais peut-être que j'aurai besoin d'aller faire une session à l'INHA dans la semaine, mais que j'ai, comme j'ai pas encore réservé, à mon avis j'aurai jamais de place si j'ai besoin d'aller à l'INHA, mais c'est un autre sujet. Ça me permet de voir où est-ce que je peux caler une autre session bibliothèque, etc. Enfin ça a fonctionné beaucoup plus avant Covid et avant qu'il y ait besoin de réserver à chaque fois. Bref, du coup, on va faire ça. Là, comme tu peux le voir, il n'y a pas grand chose, parce que généralement, cette liste s'agrandit pendant la semaine, mais genre le lundi, dimanche, je mets les grandes lignes et après ça s'élargit parce que après je rajoute aussi genre les trucs basiques que j'ai à faire chez moi comme du rangement, le ménage, la vaisselle, etc. etc. Là tout est fait, donc j'ai pas besoin de le noter. Comme ça me permet de me dire... Je sais pas, par exemple, il y a des jours, je travaille et tout, et je me dis, ah, faut quand même que je passe un coup dans mon appart, ça pourrait être bien, etc., etc. Donc là, il est un peu vide, je t'avoue. Surtout que, genre, mes sessions de travail classiques que je fais chez moi, je les note pas forcément si j'ai pas un but précis dans mes recherches. Un truc, par exemple, quand j'ai dû faire de la typologie de mes illustrations, je marquais typologie, illustration. Là, je suis plus dans de la lecture, dans de la recherche, entre guillemets, un peu générale, même si c'est pas tellement général, mais je sais pas si tu vois ce que je veux dire. J'ai pas une tâche précise à faire, à part faire un plan, mais ça, c'est un peu tous les jours, et puis c'est un peu toujours en fond quand je fais mes recherches. Donc voilà. Il y a des trucs aussi que je pensais c'était cette semaine, mais c'est la semaine prochaine, c'est pas grave. Et puis globalement, voilà, ça ressemble à ça. Je note aussi par rapport au montage, quand est-ce que je dois le faire, etc. En vrai, les master vlogs, je fais du montage un peu tous les soirs quand j'ai fini ma journée, vu que ce mois-ci, c'est un master vlog par semaine. Bref. Mais du coup, voilà, ça ressemble à ça. Là, je vais déjeuner. Et après, je vais décaler à la BNF.
Et voilà. Bon, aujourd'hui, on est mercredi. Hier, j'ai pas beaucoup filmé parce que, en fait, tout l'après-midi, je l'ai passé à la BNF à travailler. Et en rentrant, j'ai totalement oublié de filmer. Tout simplement. Donc je vais faire un résumé très très vite parce que j'ai un séminaire qui va commencer. J'ai trouvé ma bible à la BNF sur mon sujet. Il y a un commissaire priseur qui a écrit un livre qui a été aussi un pilote automobile. Enfin bon, bref, une carrière hyper intéressante, anyway. Qui faisait principalement voilà, des ventes aux enchères liées à l'automobile, à la voiture, etc. Qui a écrit un livre qui s'appelle L'art et l'automobile. Pas, il en a écrit un autre qui s'appelle L'art automobile, mais c'est pas la même chose, c'est L'art et l'automobile, moi, qui m'intéresse. Et en fait, il y a une compilation chronologique d'œuvres où il y a des automobiles qui sont représentées dessus. Donc j'ai pu enrichir mon corpus, il y avait déjà des choses que j'avais et il y a des choses que ce monsieur n'avait pas forcément, mais c'est un livre qui date de 1973 quand même, donc voilà. Et effectivement, il a pu avancer quelques arguments du pourquoi, du comment l'automobile, même si dans la chronologie où je l'étudie, c'est un des siècles les plus importants parce que c'est là où elle a le plus de progrès technique, etc., qu'elle évolue à une vitesse folle, bref. Mais qu'elle n'est pas représentée nécessairement en art. C'était, bah, du coup, voilà, il avançait divers arguments et tout. Et du coup, vraiment, ce livre, ça va être mon livre de référence, tout simplement. Et je vois, en fait, ce que je peux apporter par mon mémoire. Et en plus, c'est un des seuls livres contemporain qui cite Omnia. Il a parlé d'Omnia par rapport aux revues spécialisées d'automobiles illustrées, donc très contente. Je suis désolée, il y a les travaux en fond, t'entends la ventilation de la cuisine, enfin bon bref. Donc voilà, ça c'était le résumé de ce matin, enfin d'hier. Là je vais à mon séminaire qui va durer qu'une petite heure parce que le prof a décidé de réduire les heures de séminaire vu que on est à distance et qu'il a lu dans une étude que c'était plus épuisant pour nous et pour lui. Enfin, de toute façon, on remarque bien que, enfin, moi personnellement, j'ai beaucoup de mal à me concentrer pendant un séminaire. Du coup, voilà. Aujourd'hui, c'était très compliqué de se lever, mais comme j'ai séminaire, ça m'a forcé à me lever. Et puis voilà, donc on se retrouve plus tard dans la journée. Comme tu as pu le voir, j'étais en train de mettre dans mon PowerPoint corpus d'œuvres des beaux-arts qui mettent en scène l'automobile, les œuvres que j'ai pu trouver dans le livre d'hier, qui m'a énormément aidée. Et en fait, dedans, j'étais en train de regarder d'où provenait chaque œuvre, genre de quelle collection, etc. Et il y en a certaines qui viennent de l'ACF, qui est l'Automobile Club de France. Je sais que c'est une assoce. Est-ce qu'on peut vraiment appeler d'assoce un club? Voilà. Qui est créé en 1895, il me semble, et du coup ça correspond parfaitement à ma chronologie. Et je sais qu'ils ont énormément participé au développement de l'automobile pendant la période que j'étudie. Et du coup c'est un peu essentiel que je prenne contact un petit peu avec eux. Donc je l'ai enfin fait. Ça fait des semaines où je me dis faut vraiment que je prenne contact et tout, et là j'ai un peu trouvé le moyen de le faire parce que du coup ils ont des collections forcément,
Et je savais pas comment m'adresser à eux. Et je savais pas non plus à quel mail envoyer parce qu'il y en a. Enfin, il y a un mail qui est disponible sur leur site. On va rentrer dans les détails, hein, parce que comme ça tu vois aussi les galères de recherche de mail pour prendre des contacts quand tu fais un mémoire. Donc sur leur site, en fait, il y a un mail pour organiser des événements dans leur bâtiment. C'est pas ce que je veux, voilà. Et après, il y avait un mail accueil, tu vois. Et du coup, je me suis dit, je suis pas sûre qu'ils puissent vraiment répondre à mes questions ou me rediriger, je sais pas vraiment. Et je me disais, dans tous les cas, oui, bon, j'enverrai à ce mail-là quand j'aurai le courage. Bref. Et au final, en faisant mes recherches, je suis tombée sur leur collection en ligne de photographies. Enfin, c'est plutôt un site pour faire de la reproduction photographique et acheter une reproduction de leur collection photographique. Bref. Mais il y avait un mail. Et du coup, je me suis dit que comme c'est un peu les responsables de la collection photographique, au pire, ils pourront me réorienter vers la collection peinture, art graphique, etc. Si tant est qu'il y en a une. Je sais qu'ils conservent des peintures, etc. Parce que justement, j'en ai trouvé dans le livre que je lisais hier. Donc voilà, j'ai enfin envoyé un mail, waouh, pour voir bah, s'il y a une numérisation de ces collections ou si je dois me déplacer, même en temps de Covid pour l'instant. Bon, normalement, moi en tout cas, je peux me déplacer. Mais après, eux, je sais pas s'ils laissent des gens venir, etc., etc. Donc ça dépendra pas trop de moi, beaucoup d'eux. Surtout que du coup, en fait, s'ils ont enfin, obligatoirement, je sais qu'ils ont des offres qui mettent en scène des automobiles. Bah, ça me permettrait vraiment d'élargir mon corpus et aussi d'en parler avec des professionnels et de parler des réflexions que j'ai pu avoir, essayer d'approfondir tout ça, d'en discuter avec des gens qui s'y connaissent en automobile parce que mon directeur de mémoire, par exemple, ne s'y connaît pas trop du tout en auto et en histoire automobile. Lui, du coup, c'est plus l'histoire de l'illustration et l'illustration en général qui est le médium que j'étudie. Donc c'est pour ça que c'est mon chargé de mémoire. Mais c'est vrai qu'il s'y connaît pas en automobile et que par rapport à l'année dernière, j'ai moins de confort à avancer sur ce domaine-là parce que bah, mon directeur de mémoire ne peut pas autant m'aider que l'année dernière. Même si bien entendu, il m'aide, heureusement. Bref. Donc voilà, j'ai pris contact. Je vais espérer un jour avoir une réponse. J'ai eu les dates de dépôt de première session de mémoire. C'est courant juin. J'ai plus la date. Je l'ai noté quelque part. Je vais te dire ça. Faudrait que je le rende le 15 juin pour passer une soutenance jusqu'au 2 juillet. Donc ça me rassure parce que j'ai un mois supplémentaire et je me rends compte que là, comme je suis en train de faire mon plan et tout, qu'il faudrait que je finisse ce mois-ci, je pourrais me lancer dans la rédaction de mon intro et ensuite accorder un mois pour chaque partie et la conclusion. Donc je me dis que ça serait cool que je prenne pas plus de retard et que je continue là un peu à bosser bosser sur ce rythme. Et voilà. Du coup, c'est un peu le résumé d'aujourd'hui. Je sais pas si je vais continuer à filmer aujourd'hui parce que j'ai peur qu'après le master vlog soit trop long alors qu'on est seulement mardi. Donc en soi, je pense que je vais pas faire grand chose de plus aujourd'hui à part continuer à trier les photos que j'ai trouvées et continuer ma fiche de lecture sur ce livre. Et puis s'il y a une réponse, je te tiendrai au courant parce que je pense que ça relèverait un petit peu du miracle. Je suis très suspicieuse avec les mails, même si on est en Covid et que les gens sont plus à même de répondre à leurs mails, etc. Vu comment l'année dernière ça a été, enfin j'ai quand même eu beaucoup de réponses par mail, etc. Mais j'ai eu beaucoup aussi de non-réponses. Donc on va voir. Je suis un peu pessimiste des mails, mais on va espérer qu'ils aient une solution et peut-être même qu'ils m'invitent à venir dans les collections. Ça serait vraiment bien et en plus je pourrais voir des collections. Ah, bref, autre que dans des galeries. Donc voilà. C'est tout pour le moment et on se retrouve très sûrement, soit demain, soit si j'ai des updates par rapport au mail. Aujourd'hui, on est le 10 mars et j'ai pas du tout filmé de la journée parce que j'ai eu un séminaire
vers midi. Ce matin, j'ai encore eu du mal à me lever, as usual. Faut que j'arrête avec le franglais, mais bon, c'est un autre sujet. Et l'après-midi, j'ai travaillé, j'ai encore réservé pour la BNF parce que j'ai encore des livres à aller consulter que j'ai pu trouver en faisant des recherches. J'ai pas mal bossé sur mon corpus d'œuvres des beaux-arts qui utilise le motif de l'automobile. J'ai pas mal réfléchi à ma problématique et à comment vraiment l'appliquer qu'à Omnia et pas que ça soit une problématique qui puisse être applicable à d'autres trucs, bref. Et j'ai voulu imprimer les illustrations que j'ai triées d'Omnia pour pouvoir faire un vrai tri typologique. On va dire que j'ai les grandes lignes de... En gros, j'ai les... pour faire plus simple, parce que typologique c'est pas forcément très clair et typologie c'est pas forcément non plus très clair. En gros, j'ai différents thèmes qui reviennent souvent par rapport aux illustrations qu'il y a dans Omnia. Le but, ça serait de les classer vraiment sérieusement. J'ai des grandes lignes en tête qui m'ont du coup permis de faire le plan. Mais ça serait bien avec ces illustrations-là. En fait, j'ai besoin de les imprimer parce que... en fait, je suis ni moderne ni de la vieille école. Genre, j'ai besoin d'écrire, mais j'ai besoin d'être sur l'ordinateur aussi. Et j'ai besoin du coup d'avoir les images et de faire un triage sur mon mur sous forme de mapping comme l'année dernière. Et j'ai besoin de vraiment les trier comme ça. Sachant qu'évidemment, il y aura des illustrations qui vont pouvoir être rangées dans différents thèmes. Par exemple, je sais pas, par exemple j'ai le thème des accidents automobiles. Mais j'ai aussi le thème des femmes au volant. Et bah, par exemple, il va y avoir des caricatures où il y a des femmes au volant qui ont un accident. Donc, tu vois ce que je veux dire? Ou, je sais pas, moi, par exemple, la représentation des débuts du sport automobile et les accidents. Bah, forcément, tu te doutes. Déjà qu'aujourd'hui, il y a encore des accidents, alors tu te doutes qu'à l'époque où l'automobile est pas du tout opérationnel et au top, il y a énormément d'accidents et dans les illustrations, il y a des représentations de ça. Donc pareil, je vais caler ça là, etc, etc. Donc je pense que voilà. Ah oui, et du coup, le problème, c'est que je n'ai plus d'encre dans mon imprimante et il faut que j'aille en racheter. Donc demain matin, je vais aller acheter de l'encre pour faire tout ça. Demain, j'ai des colis cool. Enfin, j'ai un colis cool qui va arriver. Et des colis, et un colis avec des boîtes de rangement à monter, enfin c'est vraiment passionnant. Demain, il va y avoir pas mal de rangements, donc il va y avoir pas mal de timelapse normalement. Mais bon, du coup c'est un petit peu tout pour aujourd'hui, je vais pas parler plus parce que vraiment ce master vlog risque d'être très long. Donc voilà, donc on se retrouve demain et j'espère que j'aurai réussi à me lever. Je suis quand même contente parce que j'ai pu enlever un énorme sac qui était là. Un énorme sac pour avoir une tour de petite boîte. Je pensais qu'elle serait plus grande et pourtant j'avais pris les mesures et tout, mais je les voyais plus grandes que ça. Mais bon, on va faire avec et là je vais faire la même chose mais dans un de mes placards, donc je peux sûrement filmer parce que je pense que t'as compris le principe, je range aujourd'hui. Et voilà, sinon ce matin j'ai imprimé les illustrations d'Omnia pour faire la typologie sur le mur et voilà.